Le meilleur moyen de conserver nos forêts et protéger nos arbres est de collecter leurs graines. Lorsque nous préservons les graines des arbres, ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on protège un écosystème entier d'animaux, de plantes et d'autres êtres vivants qui dépendent des arbres. Les peuples autochtones le savent depuis des générations. C'est pourquoi le Centre national de semences forestiers travaille avec des organisations et communautés autochtones à travers le Canada. Ensemble, nous ne sauvons pas seulement les arbres, mais nous préservons le patrimoine culturel. Vous êtes curieux de savoir ce qu'est la collection de semences? Vous demandez peut-être ce que fait un Centre national de semences forestières? Restez à l'écoute. Ceci est le programme de collection de semences autochtones. Le programme de collecte de semences autochtones est un programme dirigé par les Autochtones et géré par le Centre national de semences forestières. Il a pour objectif la conservation d'espèces ayant une importance spirituelle, culturelle, médicinale et économique pour les communautés autochtones de l'île de la Tortue. Pour ce faire, nous donnons aux communautés la possibilité de nous envoyer leurs semences pour les faire traiter, tester et entreposer en toute sécurité. Nous offrons également un espace favorisant le réseautage, virtuel ou en personne, lors de nos ateliers de collecte de semences et nos événements de partage de connaissances. Nous pouvons également mettre en relation les gens qui font la récolte et les producteurs au niveau régional, et nous proposons également une formation à toute communauté qui nous sollicite. Nous pouvons le faire soit sur place dans la communauté, soit en invitant les gens à se rendre dans nos installations au centre de la foresterie de l'Atlantique au Nouveau-Brunswick. Vous savez, à des fins de formation pour le programme de collecte de semences autochtones, ce que nous voulons vraiment faire, c'est organiser des séances de formation sur le terrain dans les régions où se trouvent les communautés. Donc, nous aimerions aller voir les communautés et donner un ou deux jours de formation sur le terrain pour expliquer à quel moment récolter les semences, combien en récolter, où les récolter et sur combien de plantes dans une zone donnée. C'est le B.A.B.A. Et une fois les semences récoltées, que faut-il faire pour s'assurer qu'elles restent saines pour pouvoir être entreposées à long terme? Voilà en gros la première partie. Pour la seconde partie, nous souhaitons accueillir les communautés au centre de semences. Justement, cette semaine, nous avons une de ces formations de suivi avec des membres de la communauté de Blueberry River en Colombie-Britannique, plus précisément de Moberly Lake, qui travaille avec Aski, donc la Première Nation de Soto. Et ensuite, nous avons des membres de la communauté de Miapukek à Terre-Neuve et de la Première Nation d'Acadia en Nouvelle-Écosse. Ils sont ici et certains d'entre eux ont même apporté des semences à leur communauté. Et ils découvrent ce qu'il advient des semences une fois qu'elles entrent dans notre bâtiment. Notamment le nettoyage, le séchage, tous les tests que nous effectuons, puis l'entreposage. Nous en profitons aussi pour leur montrer différentes façons de nettoyer et de traiter les semences. Bonjour, je me présente, Denis Cameron des Premières Nations de Soto. Je travaille pour Aski Reclamation. Je m'appelle J.D. Gauthier et je travaille également pour Aski Reclamation. J'ai entendu parler un peu de vous, mais tout ce que je savais, c'est que vous étiez le Centre national de semences forestières. Ce fut une toute autre expérience quand j'ai rencontré Donnie, car j'ai pu lui parler en personne. Nous l'avons emmené sur le terrain, il m'a parlé de ce que vous faites et cela m'a vraiment intéressée. Et puis, il a parlé de faire venir des communautés ici et je me suis dit, oui, je vais y aller si je peux. C'est vraiment ce que je veux faire. C'est une toute nouvelle espèce avec laquelle nous travaillons. Nous n'avions jamais fait de benouate auparavant, mais je suis tombée sur la plante par hasard en cherchant d'autres espèces. J'ai alors voulu savoir exactement ce que c'était, parce que je me suis rendu compte que c'était prêt à récolter. J'ai donc fait des recherches et découvert qu'il s'agissait d'un membre de la famille des benouates. On s'est ensuite rendu compte qu'il s'agissait d'une très bonne plante pour la remise en état des terres. On en a donc récolté, mais on ne savait pas du tout comment la nettoyer. On a essayé nos propres méthodes, mais c'était très long et laborieux. Alors, on s'est dit que le Centre national de semences forestières pourrait avoir de meilleurs moyens de le faire pour nous. Donc, nous sommes venus vous demander et nous avons obtenu une tonne d'informations. Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dans le laboratoire In Silico et à trouver comment nettoyer ces benouates de montagne. C'est un peu ce qui me tient le plus à cœur puisque mon travail cette première année a été plutôt pratico-pratique. Je ne suis pas encore très sûr des aspects scientifiques de ce que je fais, mais je suis en train de les apprendre. Donc, venir nettoyer ces benouates de montagne,
C'est vraiment gratifiant de savoir que nous n'avions pas encore tout compris et de venir ici utiliser les ressources que vous nous avez fournies. C'était des informations très, très précieuses pour nous. Je m'appelle Chuck Wabenmore. Je me fais aussi appeler Dawn. Je travaille pour les Premières Nations d'Acadia en tant que gardienne de la Terre. Nous protégeons donc les terres et les eaux d'un double point de vue. Mais je suis membre de la bande de la Première Nation, Spikinakiti. Je m'appelle Krista Jérémy et je suis gardienne de la Terre des Premières Nations d'Acadia. Mais j'habite Wildcat. Je pense que beaucoup de gens ont l'impression qu'une semence n'est qu'une semence, qu'il n'y a rien d'autre dedans. Pourtant, quand on en dissèque une au scalpel, elle prend presque vie. On ne se rend pas compte qu'il y a un tout petit bébé à l'intérieur et qu'il est protégé par la coquille et par ce dont il se nourrit pendant qu'il est là. On pense qu'il suffit de le planter dans le sol pour que ça pousse. Oui, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Oui, par exemple, nous avons fait de la germination. Je pensais que c'était l'autre extrémité qui allait dans l'autre sens. Je n'ai jamais su faire la différence. Et là, j'ai découvert à mon grand étonnement que la coquille se détachait. Donc, avec le programme de collecte de semences autochtones, voyez-vous pour nous un moyen de travailler ensemble, de collaborer? Oui. Oui, c'est presque comme si cette collaboration avait déjà commencé. Il suffit de prendre le relais. Oui, et maintenant que nous allons être plus présents dans notre communauté, nos communautés, il va être beaucoup plus facile de garder un œil sur ce qui est en train de germer. Je m'appelle Grégory Gédard et je suis de la Première Nation de Miyapuquek, où je travaille comme gestionnaire de ressources naturelles. Je siège également au Chief and Council en tant que conseiller. Ce que je préfère retenir d'ici, c'est qu'il ne faut pas se concentrer sur une seule semence, mais sur plusieurs. Et telle est la vision. Les gens disent « Quel arbre, quelle semence préférez-vous pousser? » Je préfère les faire pousser tous. Ils sont tous importants. Ils partagent tous un écosystème. Ils forment un écosystème. On peut donc trouver dans une petite zone 10 ou 20 espèces différentes qui composent l'écosystème et qui permettent à d'autres plantes de pousser, comme les plantes médicinales, les baies, les crosses de fougères, etc. Chaque élément joue un rôle. Il faut donc qu'il y ait plusieurs espèces. S'il n'y a qu'une seule espèce, que se passera-t-il? Une fois cette espèce disparue, nous n'avons plus rien. Il nous faut donc plusieurs espèces. Et c'est ce qui m'a plu ici. Nous travaillons avec différentes espèces et nous les faisons s'épanouir. J'espère que lorsque je partirai d'ici, nous garderons le contact et continuerons d'apprendre, à récolter les semences, à les conserver. Et cette collection de semences autochtones peut se développer en un réseau qui nous permet de raconter nos histoires et nos succès à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à peu près partout au Canada. Développer ce réseau est la manière dont nous pouvons échanger des informations. Faire en sorte que les gens puissent comparer ce que nous faisons à ce qu'ils font pour que les réseaux soient une source d'inspiration. Et j'espère que d'autres Premières Nations se joindront et que le réseau s'étendra de plus en plus. Et le gouvernement peut voir que ce que nous faisons est très précieux, non seulement pour la conservation et la protection, mais aussi pour l'identité. Je pense que l'impact sera positif si nous ramenons les espèces. Nous ramenons la langue, la culture de la langue à l'école par le biais de programmes parascolaires. Même les membres de la communauté veulent continuer à apprendre leur langue. Il en va de même pour les frères noirs qui reviennent. Nous ramenons donc le nom Mi'kmaq, le nom autochtone attaché à cet arbre, à son histoire et aux raisons pour lesquelles il est important. Ainsi, il y aura une reconstruction de la langue, de la culture, et on verra des liens encore plus forts avec la terre d'où nous venons réellement. Si vous pensez planter un arbre prochainement, vous devriez regarder la vidéo à l'écran. Le dendrologue Ken Farr nous donne quelques exemples d'arbres à planter dans une forêt urbaine. N'oubliez pas de faire tout ce qu'il faut sur YouTube, aimer et s'abonner, et gardez l'œil ouvert pour notre prochaine vidéo.